Hansel et Gretel. Deux enfants habitent dans une maison à côté de la forêt. Une fille qui s'appelle Gretel et son frère qui s'appelle Hansel. Les parents de Hansel et Gretel ont un problème. Ils n'ont pas d'argent. Ils ont faim. Le père est gentil, mais la mère est méchante. Alors, la nuit, elle dit « Demain, nous allons laisser les enfants dans la forêt. » Les enfants ne dorment pas. Ils écoutent et ils entendent tout. Gretel pleure, mais Hansel dit « Ne pleure pas, j'ai une idée. » Hansel sort dans le jardin et il ramasse des petits cailloux blancs. Il met les petits cailloux dans la poche de son pyjama et il se couche. Le matin, tout le monde se réveille. Ils s'habillent et ils vont dans la forêt. Ils marchent, marchent. Hansel laisse tomber les petits cailloux blancs sur le chemin. Puis le père fait un feu et la mère donne un peu de pain aux enfants. Elle dit « Les enfants, vous êtes fatigués, dormez un peu ici. » La mère et le père rentrent à la maison. Ils laissent les enfants. Hansel et Gretel mangent le pain. Ils attendent, mais leurs parents ne viennent pas. Alors, ils se couchent dans l'herbe et ils dorment. Ils se réveillent, c'est la nuit. Ils ont froid, Gretel pleure, mais Hansel dit « Ne pleure pas, regarde sur le chemin, les petits cailloux blancs brillent sous la lune. » Et il rentre à la maison. Le père est très content, mais la mère est fâchée. Après une semaine, la nuit, Hansel et Gretel entendent les parents parler. « Demain, nous allons laisser les enfants dans la forêt. » Gretel pleure encore, elle a très peur. Hansel dit « Ne pleure pas, petite sœur, je vais encore ramasser des petits cailloux blancs. » Mais la porte est fermée. Il ne peut pas sortir dans le jardin. Le matin, les enfants dorment, ils ne se réveillent pas. Ils ne veulent pas aller dans la forêt, mais la mère se fâche. Elle crie « Debout !» Alors ils se lèvent. Elle donne un peu de pain et ils vont dans la forêt. Hansel n'a pas de cailloux, mais il a du pain. Il laisse tomber des petits bouts de pain sur le chemin. Ils marchent longtemps dans la forêt et les parents disent « Vous êtes fatigués, dormez un peu ici. » Et ils rentrent à la maison. Hansel cherche les petits bouts de pain sur le chemin, mais il ne les voit pas. Les oiseaux ont tout mangé. Hansel et Gretel cherchent leur maison, mais la forêt est très grande. Ils marchent 3 jours. Ils ont faim et ils ont soif. Ils sont très fatigués. Ils dorment dans la forêt et ils mangent des petits fruits. Le 3e jour, ils voient un oiseau blanc. Ils courent derrière l'oiseau et ils voient une petite maison. Ce n'est pas une maison normale. Elle est en gâteau et en biscuits. Ils sont très contents. Hansel mange un petit bout de porte et Gretel mange un peu de fenêtre. C'est bon! Une vieille femme ouvre la porte et dit « Qui mange ma maison ?» Les enfants ont très peur. « Pardon, madame, c'est parce qu'on a très faim. »« Vous avez faim ? Alors venez, entrez dans la maison. Allez dans la cuisine et regardez sur la table. » Ils entrent, ils vont dans la cuisine, ils regardent sur la table et il y a beaucoup de choses à manger. « Vous pouvez manger tout ce que vous voulez. » Ils mangent un très gros gâteau et ils vont au lit bien contents. Mais la vieille dame est une méchante sorcière. Le matin, elle prend Hansel et elle le met dans une cage. Elle dit à Gretel « Fais la cuisine pour ton frère. Quand il sera gros, je le mangerai. » Gretel a peur de la sorcière. Tous les jours, elle fait la cuisine et tous les jours, son frère mange. Il devient très gros. Alors la sorcière dit « Très bien, ton frère est gros. Ce soir, je vais le manger dans ma soupe. » Elle fait un grand feu et elle met une marmite sur le feu. « Viens ici, prends la cuillère et remue ma soupe. » Alors Gretel a une idée. Elle dit « « Je veux bien vous aider, mais je ne peux pas tourner la cuillère dans la marmite. Je suis trop petite. » La sorcière se fâche.
Elle pousse Gretel et prend la cuillère et dit « Regarde, c'est facile !» Gretel saute sur la sorcière et la pousse. La sorcière tombe dans le feu. Gretel court et elle ouvre la cage de Hansel. « Sors, la sorcière est morte dans le feu !» Dans la maison de la sorcière, Hansel et Gretel trouvent beaucoup d'argent. Ils ramassent l'argent et rentrent chez eux. Leur père est très content. « Mes enfants, vous êtes là, vous n'êtes pas morts !»« La méchante mère est morte. » Le père et les deux enfants sont maintenant riches et ils n'ont plus jamais faim.